les amis, c'est FH, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on n'est pas là pour blaguer, donc on va transformer le trampoparc en boîte de nuit. J'espère que le concept va vous plaire, franchement ça va être une dinguerie. On est venu avec le bolide hein, comme vous avez vu, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Pour transformer un trampoparc en boîte de nuit, il faut beaucoup de matériel. Allez let's go, on va rentrer dans le U-Jump, il y a Kaïs qui est là, ça va ou quoi? Bah ouais, tranquille. Yeah, c'est parti pour une séance de jump. Allez je suis chaud, allez, go, let's go. On va aller tester les trampolines, mais avant on se désinfecte les mains, Covid oblige. Bon le masque c'est obligatoire, mais là je suis tout seul dans le trampoparc, on va dire que ça passe pour cette fois. On va essayer le trampo avant d'installer tout ça. T'es chaud, on va essayer ça ou pas? Vas-y, let's go. T'es prêt à sauter? Let's go. Les chaussettes you jump les amis, avec des petits crampons pour que ça adhère. Surtout restez bien jusque la fin les amis, puisque il va y avoir une petite surprise avec le feu. Il va y avoir même d'autres choses. Franchement j'espère qu'on va même voir clair. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh là 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 là. Oh là là. Wow. Saute de là à là. Oh non mais c'est impossible. Ici on a un petit twister, Interville et tout, ce que vous avez déjà vu. Un petit bac à mousse les amis. Oh là là, ça va partir sur un petit essai. Fais un salto. Un salto. Wow. Oh là là. Attends gros. Wow. Le cadreur. On va faire un petit tour du trampoline, vite fait quand même, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Comme ça on va voir en même temps où est-ce qu'on se met. Parce qu'en vrai je vais mixer aujourd'hui. Je vais mixer, on va vraiment tout installer, les lumières, la sono, tout. Tu me verrais où gros? Ici, là, oh. Sur ce truc là. Genre comme ça? Voilà, dans ce sens là. Oh, ça pourrait être une dinguerie hein. Ça veut dire qu'on va installer la table ici? Ouais, littéralement. Ça va être incroyable. Oh, ça fait trop peur. Petit match de basket les amis. Bon, en vrai je pense pas que j'ai dunké hein. T'as vu ma taille, t'as vu la hauteur du panier, c'est impossible. Oh, oh. Oh lui, mec là-bas il y a un trampoline. Tu sais genre les trampolines des Jeux Olympiques. En vrai il y a des pieds sur le mur, ça doit vouloir dire que tu dois faire ça genre. Oh, oh. Je me suis fait mal à la tête gros. Attends, on va essayer de sauter hyper haut. Oh, oh la dinguerie. Oh, oh. Avec vous ça fait trop peur. Oh. Et là ça fait trop peur. Oh. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un gros pouce en l'air pour la dinguerie qu'on va faire aujourd'hui. Là, c'est le mec. Noté sur 10, mon talent de comédien. Les amis, franchement, n'hésitez pas à venir au U-Jump. L'équipe, elle est super cool. Le trampo, c'est archi lourd. Regardez, il y en a partout en France, hein, n'hésitez pas à regarder. Et en plus, il y a des petites nouveautés qui arrivent. Quand je vous dis des petites pépites, c'est que ça arrive. Ça, c'est pourquoi en vrai. Est-ce que vous connaissez le Ninja Warrior? Il y en a un juste là. Ensuite, oh, je vais pas y arriver hein. Mais si. Oh là là. J'allais dire quel homme, mais. Mais faut pas que tu passes de boule en boule. Bah je pense, mais en vrai. Bah vas-y hein. Wow. Gros j'ai sauté. On y va? On va installer? J'arrive, je me repose. Allez les amis, ça y est, on a fini de tester le trampoline park. J'ai repris mon souffle et là je suis avec l'équipe. Donc il faut que je les appelle comme ça, W. On est avec W aujourd'hui et on est avec Max la Menace. Et le boss. Max la Menace est là avec nous ce soir. Mais non, on est le matin là. On est le matin. On est le matin. Ça commence bien. Allez, je te présente l'équipe comme ça, c'est beaucoup plus parlant. Lui c'est W, il kiffe faire du trampo. Lui c'est Max la Menace. D'apparence il paraît tout gentil, mais en vrai faut faire gaffe. Et lui c'est Choupi, tu ne verras qu'à ce moment dans la vidéo, alors profites-en. Ouais ouais ouais. On va aller installer le matériel, on va aller tout sortir dans le camion là. Et let's go, on va installer tout ça. Ouais. Alors est-ce que quand je vous montre ça, vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de tourner une vidéo? Non mais gros, tu vas pas prendre ça d'une main si? Bah si gros, ça se prend d'une main ça. Mais ça se prend d'une main mais... Allez gros, je suis chaud, on fait une course un jour de ça. Mais lève-toi! Lève-toi! Ah, on va quand même prendre un petit extincteur au cas où. Au cas où. Voilà. Quel argument! Bon, on va aller manger avant d'installer tout ça. On a encore, je dirais, 2-3 heures d'installation pour installer ça sur le trampo. Comme ça, on digère après pendant l'installation. Et après, c'est parti, on saute. Est-ce que t'es chaud, Choupi? Je suis chaud. T'es chaud. Je suis chaud. Je suis chaud, c'est parti. Ah, je te la dépose où là? Sur la 7ème poutre en partant de la droite. Il est parti, il est parti. On le met là. En vrai, tu penses que ça va rendre bien quand même ou pas? Je pense que ça va être une dinguerie. J'espère, hein. Comment se passe l'installation? C'est bon, ça, installé. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Let's go. Gros, les enceintes, je vais les mettre ici. Non, tu peux pas, Jérôme.
un mot à dire sur cette installation? Bah écoute, j'ai jamais autant kiffé un salut matériel. Ah ouais? Parce que plus ça va, plus je me projette. Clairement, on dirait que j'achète une maison. Ça, mon gars, ça va faire la diff, ça. Le laser. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait avec ce laser? Non, tu aurais pas cramé un appareil? Peut-être. Peut-être bien que oui. C'est ouais, bon, peut-être. Il est possible que j'ai cramé un boîtier en filant le laser. C'est possible. Peut-être, hein. Oh non! Oh, la vis, elle est tombée, genre, comme ça. Mais bon, on l'aurait pas retrouvé, hein. Choupi, est-ce que t'as déjà mis une capote? Beaucoup, des tonnes. Oh là là, le vantard. Regarde, ça, c'est pareil. Mais elle est grande, ta capote, là, quand même. Ouais, mais en même temps, voilà. Hop, voilà. La première, on la met là. Ah. Il était caché. Bon, c'est bon, les totems, ils sont installés? Ouais. Impeccable, on peut y aller. Hop là. Allez, c'est parti les amis, on a fini d'installer tout le matériel, comme vous voyez derrière moi. Il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de lumière, il y a de la sono. Vous allez voir, ça va être incroyable. Bah let's go. Est-ce que vous êtes prêts pour faire la teuf? Ouais. Allez, tout le monde là, les mains en l'air. Cracheur de feu, c'est des conneries tout ça. Regardez, ça c'est le vrai métier de cracheur de feu. Ça c'est le vrai métier. Ah non, mais sur YouTube ça vend du rêve, hein, clairement. Hein. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Non, attends, je vais peut-être m'arrêter un petit peu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche, à mettre un gros pouce en l'air. Ça me donne vraiment de la force pour continuer les vidéos et pour désinstaller le matériel. En attendant, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. C'était vraiment une dinguerie. Je remercie encore le YouJump de Chambly de nous avoir mis à disposition le trampo parc pour tourner cette vidéo. N'hésitez pas à venir. Il y a vraiment des dingueries qui se préparent. L'équipe elle est au top et le trampoline. Regardez ça. Si c'est pas fou. Regardez ça. J'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et on tâchera d'en refaire dans des lieux encore plus ouf. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était FH, ciao.